avons fait le dernier problème de bus. Attention, celui-ci, il est corsé. Il est un petit peu difficile. Il est un petit peu difficile avec les nombres qui sont grands et puis parce qu'il y a quatre arrêts. Mais je suis sûre que vous allez y arriver. Alors, dans le bus, au tout départ, il y a 12 personnes. Oui, vous avez bien entendu, 12 personnes. Alors, vous allez essayer de faire comme la petite fille sur la vidéo de l'autre jour. Vous pouvez prendre éventuellement vos orteils. Donc, vous avez 10 doigts des mains, puis vous rajoutez deux. Alors, vous rajoutez deux orteils. Vous imaginez vos deux orteils sur les pieds. Le bus part avec ses 12 personnes. Au premier arrêt, il y en a trois qui descendent et une qui monte. Le bus repart. Au deuxième arrêt, il y a une personne qui monte et quatre personnes qui descendent. Le bus repart encore une fois. Troisième arrêt, il y a quatre personnes qui descendent et deux qui montent. Enfin, il passe au quatrième arrêt, où il y a cinq personnes qui descendent et 12 personnes qui montent. Question, combien y a-t-il de personnes quand le bus arrive à destination? Attention, je vais donner la réponse. Si vous avez besoin, vous revenez tout à fait au début de la vidéo, vous recommencez avec vos doigts. Je vais placer déjà les 12 personnes dans mon bus. Donc j'ai placé un petit peu mes personnages à la manière de la boîte de pique-billes. Alors, vous vous rappelez, dans la boîte de pique-billes, il y a à chaque fois 5 et 5 qui sont séparés par un trait noir qui sépare les deux compartiments de la boîte. Et dans chaque compartiment, on a 5 jetons. Et le premier, excusez-moi, pas le premier, celui qui est au milieu, il est remarqué par l'ouverture de la boîte. Et aussi, on sait que de chaque côté, on a 2 jetons. Et bien là, pareil, regardez, celui qui est au milieu, j'ai mis un plus grand personnage. Et on voit bien que de chaque côté, on a 2 petits personnages. Celui du milieu, 2 petits personnages. Donc là, on sait que celui-ci, c'est le troisième. Et celui-ci, on sait que c'est le huitième. Pas besoin de compter. Je sais, si je les ai bien organisés comme pique-bille, que celui-ci, c'est le huitième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gagné. Pourquoi? Parce que celui-ci, il est bien dans un compartiment de 5, il est bien au milieu. Et celui-ci, il est bien dans un compartiment de 5, il est bien au milieu. On a bien 2 de chaque côté. 2 de chaque côté. D'accord? Donc là, on a 5 et 5, 10. Ma boîte est finie. 11, 12 pour faire 12. Alors, on fait le problème. Donc, on a 12 personnes au tout début du voyage. Le bus s'arrête dans un premier arrêt et il y a 3 personnes qui descendent et une qui monte. Il y a 3 personnes qui descendent et une qui monte. Donc, on a notre boîte de 10. On a 10 personnes dans le bus. Le bus repart. Il s'arrête au deuxième arrêt. Il y a une personne qui monte et 4 qui descendent. Une personne qui monte. Et 1, 2, 3, 4 qui descendent. Le bus repart. Troisième arrêt. Il y a 4 personnes qui descendent. Et 2 qui montent. Alors, il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui descendent. Et 2 personnes qui montent. Quatrième et dernier arrêt. Le bus arrive, il y a 5 personnes qui descendent. Il y a 5 personnes qui descendent. Et il y a 12 personnes qui remontent. Alors, s'il y a 12 personnes qui remontent, à votre avis, on aura combien de personnes dans le bus? Il y en avait 0, on en rajoute 12. Et du coup, on va en avoir 12. La réponse au problème était 12. J'espère que vous aviez trouvé.